dans le corps. Petit peu ça. Réponse. J'ai les pommes pour que je caresse. C'est quoi ce bordel? C'est qui le patron? Je te jure, je veux qu'on le poussait, il me fout deux claques sur le bras pour mettre après sa tête sur ma main comme pour dire oh, au lieu de me dégager, caresse-moi. Quoi ce bordel de nous? Hein? C'est des cochons. Il est en train de s'inquiéter tellement. Ah oui, il va me décaler. Il me décale, hein. Oh. Oh, mon petit chat. En dragon, il y a quoi déjà? Il y a le mur dragon qui me foutrait un seum monumental. Quoique, il y a l'anomalie pour augmenter son attaque derrière. C'est cool. En vrai? C'est but! Non. Non, je suis là. Non, non. On est là. Bonjour, non, non, non. Je suis le poulet. Pour l'autre, tu vas me faire une dinguerie, toi, j'imagine encore. Désolé, Savannah. Bah, va chier, hein, tout simplement. Oh merde! Oh putain. Je serai gentil, promis. Malou m'a dit que tu étais en live. La dernière fois qu'il m'a dit ça, je me suis retrouvé avec un trou de balle de 20 cm. Non, merde, j'avais pas coupé le micro, je suis désolée les gars. Bisous le zinc. Eh par contre, le rembobinage là... Quel rembobinage? Bah c'est les... Hop 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 hop, ok. Alors là les gars, moi je vous dis, vous êtes pas prêts. Le pire. Le dé rembobinage, d'accord? Et dans le shop, juste après, j'ai eu un deuxième rembobinage. Sachant que j'avais en plus un autre qui scolaire. Allez, let's go, moi je dis. C'est bon. Surtout que j'ai l'impression que Démon qui se prend des dégâts maintenant est quand même pas mal. Hein, parce qu'avec Malkazar qui est en taverne 3, donc plus facile à obtenir. Chondrius maintenant qui se booste lui-même. Bon, c'est moins fort que démon qui bouffe la taverne, mais c'est quand même jouable. Bah, en soi, ouais. J'ai pas l'impression qu'il pour être bien fort en démon, faut pas jouer avec ça. C'est plus oui, le côté boost de taverne avec les nouveaux. Ah oui, non, mais ensuite, et bouffer un max. C'est ce que je disais, hein, c'est quand même c'est moins fort que démon qui bouffe dans la taverne, quoi. Mais ça reste quand même plus jouable qu'avant, quoi. Oui, mais t'as aussi le taverne 1, là. La 4-4 taverne 1. Oui, tu peux rien faire ça, mais même dans l'archétype, il reste pas trop. Mais en plus, surtout comme boost qu'ils ont fait, c'est que Le tis scolaire doré, maintenant, il t'affiche 2 fois un dégât. Donc ça proc 2 fois, hein, Tichondrius. Pareil pour le T1. Mais quand tu l'as doré, il t'affiche 2 fois 3 dégâts. Donc c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on essaie de tripler ça? J'ai envie de roll. Ok. Y'a Mika? Y'a pas Mika. Ah, c'est chiant. Thomas. Un dragon allié. Ça va un peu mieux là. Ah, il a up ce tour-ci, devrait à peu... Je pense qu'il a à peu près autant de créa que moi. On va voir comment ça se passe. En tout cas, j'aime pas cette méta. Je le dis, hein, mais... Je suis pas hyper fan. Alors, en même temps, il y a des c'est le début. Je suis pas kiffé direct. Waouh, le pauvre. Il s'en sort bien. Et j'ai failli perdre. Je pourrais prendre lui et up. Avec lui, j'ai 5, ça coûtera 5 et up. Le plus 3 d'attaque, il me met bien, parce que avoir une 2-2 c'est pourri, mais avoir une 5-2 c'est pas la même. Le petit up de taverne, Savannah? C'est pas gentil. C'est un nom. Vous êtes vraiment... pas gentil. Alors moi je l'aurais up, toi j'ai up, si je te taguais, bah au moins on serait tous les deux taverne 4, mais... Voilà quoi, j'aurais été gentil avec toi. Comment je te crois pas? Mais si, regarde, je suis taverne 4. Mais oui, là, moi je peux pas. J'ai peur, je vais me faire déboîter encore. Comment ça, encore? Allez, là c'est ta game, Valou. C'est ta game. Vas-y, montre-nous. Oh waouh. Oh waouh. J'ai fait mon mieux sur les autres d'avant. Je vais essayer. Elle est où, ah oui, d'accord. Attends, mais c'est quoi ça? Mais cachez-nous. C'est pas mal, non? Ouais. C'est génial. Ah, j'adore ce que tu nous proposes. Voilà. Je viens de me faire péter la gueule, mais je suis content. D'accord. Toi, c'est obligatoire. Je pourrais le prendre, de toute façon il y a ceux de là qui peuvent dégager. Moi je up jamais là. Je le fais, donc tu peux le faire. J'en ai marre des gens qui veulent pas up. J'ai tellement envie de le garder. Mais lâche ma bûchette, ne pas up s'il a pas envie de up. Moi je ne up jamais. Et je veux pas avoir mal moi, ok. Bah, tu démerdes. Je suis pas venu ici pour te pire, ok. Je suis le seul débit qui est 5 ? Ah ouais. Bah le up tour 7 t'avais un de 5, il est quand même rare. Hein. Normalement, ça arrive quand même très très rare. Hein. Après il est bien déjà aussi. Et bah, je me dis que... c'est possible, tu vois. Ah je dis pas que c'est impossible, mais bon, c'est quand même super rare. Non, c'est au micro, non. Bah après il a 39 PV, il gagne ses combats, il peut se permettre. Peut-être. Je sais pas à fond bord, mais... Mais c'est surtout que la... t'avais un... Merde. Aïe aïe aïe. Désolé Nona. Bon, c'est pas grave. Mais à croire que je bully tout le monde, oh, j'ai l'habitude de me le faire tabasser par toi Polo. Non mais de toute façon Nala, dis-toi une chose, Polo n'est jamais désolé, c'est pas vrai. Je suis jamais quoi? Désolé. Mais un putain de mytho. On te connaît. Je vais avoir une de ces réputations avec vous. Mais t'es trop mytho en fait hein. Nana qui assiste. Non mais t'es un mytho. Tiens. J'ai envie de le prendre maintenant. C'est là que je suis déçu de ne pas avoir de Rillac. Il n'y a pas Rillac. Quel dommage! Ah, là, on voit du mal en effet. Est-ce que je vire la paire? En soi, je peux. Elle est chiante, mais ces deux-là, ils sont chiants aussi. En vrai, j'ai pas envie de me débarrasser de lui. Hein. Lui, je le laisse en 1. Top. Lui, je le mets là. Lui, je le laisse en 1. Lui, je gère. Lui, je mets de l'attaque. Hop là. Je vais faire ça comme ça. Ok. J'ai capté que j'ai plus de 12 PV en fait. Ouais, des fois, l'early, quand t'as un early nul en tempo, ça va vite. Hein. C'est incroyable. Je sais que la première game de la saison, je l'ai fait en tournoi. Genre, j'étais là. Oh, bah ça va, j'arrive à garder mes PV. J'avais 27 PV. Je me dis, allez, tiens, je vais aller chercher un 6. Je vais chercher un 6, je me suis pris -15, -15, j'ai fait top 8. Oh. La vitesse des fois c'est impressionnant. J'ai tenté un peu pour avancer, c'est rigolo. Ouais, c'est fort ça, la Arana. Ok, il a fait un tour de dingo là. Aranazi. Ah, le coup dans les oreilles. Ça fait bizite. Waouh! Oh, ce taille! Oh mon dieu! C'est Gesh qui parle là? Gesh lui là? Non, c'est Zawa qui parle. Là, j'ai fait un petit tail. J'ai fait un contre Guts. Caca dans mon pantalon quand même. Hein. Il m'en faut un deuxième comme lui. Ah, à vous, c'était beau quand même. Un autre comme lui, triper un de ces deux-là. Ah oui, là, je. Oui. Ok. J'ai kiffé. Oh, oh là on connaît. On va faire des dingues. On va t'inverser toi et toi. Je pense pas que je puisse faire top 1. Top 2 c'est envisageable. Top 1 je crois que c'est mort. Je suis beaucoup trop lent. Faudrait que j'arrive à trouver un triple pour Into Urzul. Il faut Urzul en triple. Je triple ça ou ça, je chope Urzul, je suis bien. En sachant qu'il me faudrait le tripler plus le rechoper. C'est là où il y a le problème. Et en soi, lui, l'avoir tôt, c'est cool. Okay. Si j'avais les tripés, c'est incroyable. Ils vont prendre au minimum 13 d'attaque. En soins élémentaires, ouais, 20 d'attaque tour 10. Enfin, 23 d'attaque tour 10, c'est nul. Là, mon board, il commence à vieillir. J'ai que 3 créas. Ah, lui, il est plus fort. Ah bah, c'est Guts. Il va me péter la gueule. Ouf. Oh! Ouh. Attends, oui, dans mon bouclier divin, il m'a pas mis bien. C'est pas du tout ça que je veux là. C'est des T3. C'est quasiment full T3 en fait que je veux. Je vais pas le prendre. Ça me sert à rien. Lui, je peux le prendre. Nope. Est-ce que je vends pour prendre le Morgul? Allez. Je pense que oui. Waouh. Petit up. Ouf. Attends, quoi? Elle a fait égalité contre son lui. Oh. Ah, les Zawak va me péter la gueule. Le fait d'avoir bouffé sur lui, ça me fait que j'ai une quatrième créa, mais ils sont faibles. Là, mon board est juste éclaté. Putain, je bug. Faut que je trouve un truc pour up ou un triple, vraiment très rapidement. Je suis juste dans la merde, là, en fait. Je fais 10 secondes pour une action. Ah, tu mets des moins 15, tu peux up. Je finis jamais mon tour, c'est pas mal. Je crois que Zawak est autant dans la sauce que moi. Zawak, je crois que tu étais autant dans la sauce que moi. Ah oui, oui, non, mais j'étais bien dans la sauce. Là. Ensuite, là, je me prends quand même un petit peu de temps. Chaque fois que je faisais un mouvement, j'en mettais 15 secondes à le faire. Donc, oh putain, ouais, c'est ça. Je joue Varden, j'ai à faire un triple. C'est pareil, j'arrive pas à tripler, ça me gonfle. Ah, bah de rien. Je l'ai triplé. Ah, je vais prendre le Ferris. Bon, au moins, je sais pas top 7. J'ai un petit PV. Je peux espérer un mort. Qui a fait le 7ème? C'est Nala, je crois. Oui. Nala, 7. Nala, 7ème? Ouais. Oui, okay, tu viens de le mettre. Ouais, je l'ai mis. Merci. Il faut que je fasse au minimum 7 points pour tomber devant. Oula, ça fait mal à Zawak, ça. Pour faire 7 points, il faut que je fasse deuxième. Ça fait bzit, là. Hein. Alors, ça fait mal à Zawak, mais il a de l'avance, hein, quand même. Hein. Pour l'instant, c'est chaud de le détrôner. Je suis mort. Oula, oula, c'est quoi toutes ces explosions, on savent. Ouais, de toute façon, je suis piqué. Oh, c'est dramatique. Ah oui, du coup, ça fait 5. Ok. Balou, ce 10%, c'est quoi? Non, mais j'arrive pas jamais, hein. C'est contre mon ghost. Ah, c'est ton ghost qui vient de me mettre à 10%. Oh là là, vache. Ah, enfin. Ah voilà, je vais encore un peu de merde. Petit couille. Ah. Ça va vraiment me plaire. Ah. Hein. Moi, je vous dis, hein. Je suis mort. Je sais pas. Ah non, moi, déjà, ça dépend. Les quêtes, elles me manquent. Les quêtes me manquent. En vrai, il était gros. Hein. Il y a un monde où il m'éclate. Du premier coup. Ah, du premier coup. Hop. Non. Oh là là, il a mis 32 à notre ami Zawak, quand moi je lui ai mis 15. En sachant que ça... Oh là là, Toki, faut pas la retag. C'est chaud quand même. Hein. Bah, on va laisser comme ça, hein. Toki, je bats pas. J'ai l'impression que je vais pas accrocher cette méta. Valou devrait die sur Guts, sur Gesh. Oh, et Guts devrait tuer. Donc je vais pas tester le duo encore, attends. Je sais pas. Duo, ouais, le duo c'est plus rigolo. Oh, c'est génial. Bah, le problème, par rapport à la méta quête, c'est vachement plus lent quoi. Donc, du coup, le rythme est vachement différent. Et c'est vrai que. Tu parles du duo ou du solo là? Troisième, solo. Parce que je trouve le rythme. Enfin, c'est pas que il est lent ou accéléré, c'est que je trouve bizarre le rythme sur le solo. J'arrive vraiment pas à expliquer. Ouais, moi aussi, c'est vrai que par rapport à la méta-quête où t'avais toujours un truc, bah aller chercher et tout machin, là maintenant t'es vraiment concentré juste sur les cartes. En fait, si tu veux, c'est beaucoup plus dur d'avoir un plan de jeu quoi, en early quoi. La quête, ça t'indiquait quand même beaucoup un peu ce que t'allais jouer quoi. Et maintenant, quand t'as pu ça, bah. Pour partir avec les trucs, des fois, bon, bah, savoir faire de la tempo. Ok, avec je suis pas mort. Quoi, un peu. Mais là, je tag Gesh et il va me sortir. Ah. Donc je fais troisième. Sauf si je tag Valou. Oh, attends, attends. Il y a un monde où je fais deuxième. Hein. Et ah oui, d'accord, il est à 25, lui. C'est-à-dire, c'est la première fois que je le vois, oui. Effectivement, il est à 25. Je sais pas. Ouais, il y a encore des spells, mais. Oh, c'est un haul. Vas-y, je le prends. Alors, peut-être que c'est parce que là, comme je suis pas concentré, que je fais un peu trop en même temps. Mais. En fait, le peu que je joue, ce qui, on va dire, me dérange, entre parenthèses, c'est de se dire, ouais, comme tu disais, ça fait lent, oui, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. En fait, tu vois, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de... Ça a toujours été le cas entre les... Tu sais, t'as toujours un peu le début de saison qui... Enfin, la mi-saison, ça rajoute toujours un truc, genre les buddies, genre les quêtes et trucs comme ça, ce qui fait que le jeu est quand même vachement plus dynamique. Mais genre, je sais que à l'époque, notamment quand ils avaient retiré justement déjà les quêtes et qu'ils avaient rajouté juste une nouvelle tribu, bah souvent quand c'était la méta avec les nouvelles tribus, souvent le jeu paraît un peu plus fade quoi. Bah oui, parce que là, tu vois, j'ai l'impression que c'est bon, bah, tu trouves ta compo, puis c'est tout, ça et encore, la dernière fois, ils avaient mis la nouveauté, c'était les sorts et c'était pas si lent ou si étrange. Des fois, c'est tout est accéléré, des fois tout est lent. Et c'est, je n'aime pas ce sentiment-là. Donc tu peux pas savoir si t'es réellement fort ou faible. Ça, au début de méta, savoir si t'es fort ou faible, c'est toujours quand même plus dur. Ouais. Mais je crois que ça sera plus facile qu'avec les quêtes. Avec les quêtes, savoir si t'es fort ou faible, c'était l'infernal. Hein. Ouais. Ah ouais. Franchement, des fois, tu te prenais des dingueries, genre tour 8, t'étais là, le gars, il avait des boards à 200, et tu te disais, mais putain, mais comment je sais si je suis fort ou pas, quoi. Attends, j'ai réellement faire deuxième, là. Ouais, parce que toi, par exemple, de ce que je vois, c'est que bah, Dragon, déjà, quand même, c'est quand même pas mal. Mais peu que j'ai vu, hein, ça a l'air d'être quand même... de tenir un peu plus la route que c'était avant. Ouais, j'avoue, l'archétype début de combat sert à quelque chose par rapport à l'archétype fin de tour. Mais bah, le problème, c'est que... Enfin, c'est un archétype, déjà, de base, que j'aime pas jouer. Alors bon, compliqué. Je sais pas, c'est... Moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'aime bien le fun. C'est-à-dire que j'aime bien faire des compos ménageries, j'aime bien faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, entre parenthèses. Et là, j'ai l'impression, du peu que je vois, enfin, quand j'essaye de construire un truc qui peut être un petit peu rigolo, bah, derrière, je me prends des trucs où tu vois que c'est pas très rigolo, quoi. Le rigolo, ça passe pas, quoi. Et c'est ça que je pense qui risque de me frustrer, en fait, sur le jeu. C'est que si derrière, je sens que je peux pas avoir de trucs vraiment fun à construire, pour, comme je faisais avant avec les ménageries, les trucs comme ça, les trucs vraiment un peu what the fuck, si je sens que je suis vraiment bloqué par rapport à ça, le jeu va gonfler. Je pense que du coup, quand même, avec le nouveau T5, la impair et le pair, je pense que tu peux jouer ménagerie. Mais voilà, oui. C'est un T6, quoi. Ouais, ménagerie facile. Eh, hey, Gesh, on dit, oh, il y a des trucs pas fun. Bah, attends, tu vas voir mon bord, tu vas te rigoler. Ok. Ah, mais après, qu'est-ce que vous appelez vraiment ménagerie? Moi, vraiment ménagerie, c'est avec mettre jusqu'à aller mettre tech Nala ou des trucs comme ça, tu vois. Rendez-moi j'aime. Ménagerie. Bah, Nala, c'est. Nala, en soi, c'est pair, donc si tu peux jouer en pair, quoi, avec Nala. Tout à l'heure, c'était qui jouait, du coup, un Uran, là? Qui jouait un Uran, bah, il jouait un Uran parce que il jouait en fait que des neutres. Et puis c'est la fête, quoi. Il jouait que des neutres parce que ils étaient tous pairs et du coup, ils étaient des neutres en pair, ce qui est quand même bien marrant. Ah oui, ah, sympa comme compo. Rigolo. Bon, je perds, mais c'était marrant. C'est pas vraiment ménagerie dans le sens où c'est des neutres, tu vois. Oui, non mais là tu boostes des notes, mais c'est-à-dire qu'en fait tu peux faire une compo où avec les paires, bah, tu boostes n'importe quel type de créature, donc tu peux faire un truc avec n'importe quel type de créature. Au revoir, soit un pair, soit pair. Ensuite je pense que l'impair est quand même moins fort, mais le pair, comme c'est en plus toutes les cartes, tu peux vraiment faire des dingueries, je pense. Ah mais c'est le genre de carte qui est hyper recherchée, et j'imagine que c'est peut-être comme à chaque fois que tu veux un truc qui est vraiment dur à avoir, ben... En vrai, pour l'instant, des compos comme ça, j'en vois un peu parce que c'est quand même, c'est pas si facile que ça à mettre en place. J'ai un T6. Voilà, faut que t'aies sur ton board déjà tout le temps que des cartes paires ou des cartes impaires pour que ça fonctionne, donc c'est pas forcément évident, quoi. Bah, même en étant juste taverne 5, si tu chopes le Wargun, en vrai, tu peux direct partir sur une compo taverne paire. Hein. Oui, bah comme d'hab, hein, quand tu fais un triple, quand tu triples pour un 6, oui, tu peux, oui. Et il est meilleur que Kalégos en tout point, d'ailleurs. Je me suis fait bait ce matin, enfin cet après-midi, je l'ai regretté. Hein. Je sais pas, ça dépend. Si avec Bran, quand même, Kalégos, je pense que peut être plus fort. Bah j'avais un board full dragon, et je me suis dit, j'ai le Worgen, je chope le Kalégos, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai fait le mauvais choix, et Kalégos est... loin derrière le Worgen. Étrangement. Bah, déjà, en soi, de base, Kalégos, c'était pas hyper fort, déjà même avant. Hein. Moi, les rares fois où je jouais Dragon, très sincèrement, je préférais la version fin tour que la version cri de guerre. Hein. Parce que cri de guerre, c'était Bran, c'était là. Alors que le fin tour, était quand même un peu plus accessible dans le sens que... Bah, le fin tour, c'était quelque chose que tu pouvais faire, t'avais Anne 4, t'avais pas de gros trucs, puis ensuite derrière, voilà, t'avais Drakkari, t'avais Anne 5, mais tu pouvais le faire rester en Anne 4 pour le faire. Par contre, le truc, c'est que ça gagnait jamais, quoi. Ah oui, non, moi, je m'amusais à faire ça, les fins de tour dragon avec le fort mobile en mélangé. C'était incroyable. Moi, à chaque fois que j'ai mes dragons comme ça... Yes, yes. Assez, hein. Excusez-moi. Mais... Bah, en vrai, le seul vrai archétype dragon de fin de tour qui marchait, c'était Drake de Grey, maître des réalités. C'est bien ma bûchette, casse-leur la gueule. Cherche mes mots. Et d'ailleurs... Oh, si j'avais pris l'armure, j'aurais sur les culs. Il marche pas, putain. Par contre, le top 2, je pense pas, hein, parce que là, les 4 boucliers divins m'auraient mis mal. D'ailleurs, comment il a fait pour avoir un bouclier divin partout là? Putain, je suis tellement une boumeuse de base. Ah, mais oui, je suis con, c'est l'autre qui met les boucliers divins. Waouh, full drogué le pauvre. Elle est assez vite, quoi. Ah, t'es obligé, ouais. Quand je les vois cliquer comme ça, vite, renvoie-moi ça, machin, mais non, donne-moi ça, non, ben, je suis là. Ouais, par contre, duo, ouais, au niveau APM, c'est quand même plutôt exigeant, hein, c'est... Bah, j'ai regardé Speedy jouer en début d'après, mais c'était... Wow. Ouais, ça part dans tous les sens, hein, les gros joueurs, quand tu les vois, tu lui dis, ah ouais, j'ai rien compris ce qu'il a fait. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que si t'es un gros boomer comme moi, mais comment? Eh, viens Savannah, on fait un duo boomer. En fait, quand t'es hyper lent à réfléchir, et puis après, regarde-moi, quand je joue solo, j'arrive des fois à pas finir mes tours, alors imagine à deux. Ensuite, les compos qui demandent beaucoup d'APM et tout, bon, je pense qu'à bas level, ça va être moins joué, mais ensuite, c'est vrai qu'à haut level, t'as des trucs qui font vraiment casser le crâne, hein. C'est vraiment... notamment avec le cri de guerre, la 2-3, la 2-2 qui donne plus de et qui à chaque fois que tu le relances, bah, ça regagne de plus de. Donc tu vois, genre, ensuite, si tu le relances une fois, c'est +4/+4. Tu peux faire des dingueries avec ça, mais la compo est vraiment pas facile à mettre en place, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait un sort aussi qu'ils peuvent s'envoyer et qui l'upgrade à chaque fois qu'ils se le renvoient, comme ça. Ouais, t'as un sort qui s'appelle Attrape et qu'à chaque fois que tu le renvoies, en fait, c'est un sort qui donne +3/+3 d'attaque à tout ton board, et à chaque fois que tu te le renvoies, ça augmente de 3. Et en vrai, ce sort là il est très fort si genre tu joues mecha, quoi. S'il y en a un qui joue mecha, genre les deux, moi on a fait des compos avec Shagat où on était tous les deux en mecha et on avait fait 2 attrapes genre à 40 d'attaque, et ben ça faisait des choses. Mais par rapport à des compos qui peuvent te sortir des 1000 comme pas possible. Mais les nouveaux héros sont beaucoup trop forts aussi. Et du coup, quand t'envoies une carte, ça coûte un gold, c'est ça? Ouais, quand tu t'envoies une carte, ouais, ça te coûte un gold. Mais t'as plein de trucs, t'as une sorcellerie par exemple qui te permet de passer n'importe quelle carte sur ton board ou sur la taverne. T'as un héros aussi qui pour 2 envoie une carte soit de son board, soit de la taverne que tu peux renvoyer. Donc tu vois, avec le cri de guerre qui s'augmente à chaque fois, bah, si tu tiens ça, tu peux le relancer 4-5 fois par tour, voire plus, quoi. Oui, y a pas de limite en fait. Oui, bah j'ai déjà vu le truc, si t'as Bran à la fin, le cri de guerre, tu peux le monter à 150-150 et balancer des cris de guerre qui mettent 300 de stats d'un coup, quoi. Oui, mais je veux dire, t'as pas de limite pour envoyer quelque chose à ton collègue. Non, t'as pas de limite sur le nombre de places. En fait. Ouais, faut que t'aies que des golds. Ça va être encore le truc qui va... En sachant qu'il y a les sorts, je crois que c'était à bouteille, c'est ça? Qui permet de lancer gratuitement, une créa de ton board ou de je ne sais où vers ton allié. T'as plein de trucs, t'as la bouteille, oui, qui est un sort où tu cibles une créature, soit de ton board, soit de la taverne, et que tu envoies directement. T'as aussi par exemple, t'as Cho en taverne 2 qui fait que t'as la première passe qui est gratuite. T'as plein de trucs comme ça, ouais, qui existent. T'as pas intérêt de mourir, hein. Je pense que là, c'est mort. Là, c'est chaud entre vous deux, je dirais. Hein. J'ai jamais cherché depuis tout à l'heure. Le gars, il veut pas lâcher. Hein. Il veut pas lâcher le gars, hein. Le chihuahua, il... Ah ouf. Ça va être chaud, hein. Une chance sur deux d'avoir... Oh, ça fait mal. Ouais. Oh la la guts. Ah bah, j'ai scam, oui. Non, à la fin, t'avais 4 matchs. Non, 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 t'étais largement devant. Non, mais j'ai mis vos scores. La Huron et le... C'est vrai que t'avais pas sorti de petites cartes de scam à côté, mais c'est ce qu'il fallait faire, de toute façon. Eh, je veux pas dire, mais le classement, c'est chaud, hein, le top 4. Hein. Je me doutais que t'allais vouloir viser mes grosses cartes avec les Hurons, donc j'ai mis les boubous sur les cartes de merde, et puis sorti des scams. Et encore, il a bien joué parce qu'il a mis la Furie des Vents en 1, qui aurait pu aider. Par contre, je crois que le HP de Tamsin, je sais pas s'il était si bien à faire. Une chance sur 3, en fait, là. J'avais 3 créatures à 55 PV. J'avais les sorcières et un autre LM.